Salut! Donc là, j'ai un petit peu avancé pour pas perdre trop de temps. Donc voilà, vous, une fois que vous avez la clé, vous revenez là. Et voilà, il y a un bloc à ouvrir ici. Et vous allez voir que c'est très chiant. Parce que c'est putain de. Voilà, vous avez compris. Tous les blocs qui sont pas friables nous foncent dessus. Non, pas tous, pardon. Enfin bon, c'est quand même chiant quoi. Donc si vous avez la plume, il y a un truc à faire. Je tente le truc. Attention. Et voilà. Skill pro. Voilà. Je plaisante, hein, bien sûr. Donc là, eux, faut les tuer aussi. Non, c'est pas d'ici qu'il faut les tuer. Ah bah ouais, je vois où on est là. Oui, parce que comme je l'ai fait refait il y a pas longtemps, plus j'avance dans le jeu et plus je me rappelle quoi. J'avais même pas remarqué. Putain, je suis un blaireau des fois. On peut aussi les tuer comme ça. Voilà. Putain. En fait, on n'a pas le temps de foutre des coups d'épée, quoi. On peut pas le tuer avec ça, peut-être. Non. Donc là, encore une fois, ça va être avec le cap. Et voilà le mini boss. Alors vous allez voir qu'il est vraiment très sympa comme boss. Enfin sympa. Voilà, c'est les deux fantômes. Il faut pas que les torches s'éteignent. Vous allez voir, ça se passe. Voilà. Mais avec anneau rouge plus truc, c'est impossible de perdre quasiment. Donc, des fois vous voyez il souffle pour éteindre les torches. Donc là je fais des dégâts x8 quoi avec épée niveau 2 plus tornade plus anneau rouge, enfin voilà quoi. Donc vous voyez, ils sont pas si durs que ça. Oh non, pas ça. Alors ça c'est un véritable labyrinthe. Ça sert à rien de tuer les ennemis. Puisque de toute façon ça changera. Voilà donc le but. Dans ce labyrinthe, c'est de d'arriver en haut pour l'instant. Si on va en bas, en fait, bah voilà. Si on va en bas, il y a la porte du boss. Donc, est-ce qu'il faut d'abord aller là ou. Ouais. Donc là, on part en quête de la clé du boss. Hein. J'aurais pas dû faire ça. Voilà. T'avais pas moyen de les attirer, eux? Non. Bon. On va faire à l'ancienne alors. Putain. Là je fais des coups de maître là. Merde. Je viens de faire un Zelnixisme là. Je dis que je suis un pro et puis je me. Merde. Voilà, pas la peine de les tuer. Quel con, j'ai oublié que le truc. Oh non, putain! Je suis en une pin, putain. Donc là, faut à peu près calculer quoi. Et... Non, mais là, je suis un attardé, là, c'est pas possible. Mais non, mais. Putain! Je suis trop un blaireau. Elle est grouille. Voilà. Ah
Donc là il n'y a rien. Hein. Et là vous allez voir en fait, il faut faire ça dans un certain ordre. Donc là c'est pas le bon par exemple. Donc ils nous disent dès qu'on se trompe. Donc là c'est celui-là, puisqu'ils ont pas fait tintin là. Tout à l'heure c'était pas le bon, donc c'est celui-là. Et enfin celui-là. Non? Bon. En fait j'ai dit de la merde. Non, c'est peut-être pas celui-là en premier. Peut-être 36 du fond d'abord. Bon, il n'y a pas 36 solutions, donc il suffit de toutes les essayer jusqu'à ce qu'on trouve. Hein. Ah, d'accord. Mais putain! D'accord, bon. Voilà. C'est fini ces conneries, ouais. Voilà. Oui, c'est pas si dur que ça. Donc il y a pas mal de trampolines hein, dans ce donjon. Vous avez remarqué. Voilà, on va pousser un peu par là. Donc alors là, j'ai aucune idée d'où il faut aller en premier. Ah bah tiens, pour une fois qu'elles vont m'être utiles, ces petites statues là. Sous-moi rouge, ma droite rouge, moi ça je deviendrai bleu. Ok. Sous-moi rouge, ma droite rouge. Donc, ma droite rouge. Sous-moi. Il faut trouver le de quel bloc là il parle en fait. Sous-moi rouge. À ma droite rouge, moi seul deviendrai bleu. Donc si lui c'est un bleu. Sous-moi rouge. À ma droite rouge. Voilà. Moi seul deviendrai bleu. Donc c'est le seul bleu, c'est bon. Ouais. Non, je vais pas crever là. Y'a pas moyen. De toute façon j'ai une potion je crois. Et voilà la clé du boss. Bon bah je crois qu'on a tout. Ah bon j'ai même pas eu la boussole putain. J'ai un petit boulet là quand même. Enfin un gros boulet même. Bon, pourquoi je me fais chier alors? Bon c'est vrai je me demande où est la boussole là. Bon vous avez la preuve que je dispense les complète au moins. Non. Non. Enculé. Je dois tout recommencer. Putain de merde d'émulateur de merde. Putain de... Bordel de merde. Putain, je suis désolé là. J'y crois pas. Je vais faire ça en 4ème vitesse. Mais connasse. Mais... Putain. Pourquoi je recommence pas la vidéo en plus? Je prends une pile. Bon, grouille-toi, grouille-toi. Voilà. Putain, je suis navré. Connerie de merde. Hein. Enfin, aussi, c'est un peu ma faute puisque j'aurais dû prendre un émulateur Game Boy Color parce que j'utilise un émulateur Game Boy Advance. Mais non, mais je suis con, c'est pas possible. Parce que j'avais pas fait ça. Allez, dégage. Non, merde, c'est pas le bon.
voilà, en fait, pour aller à droite, il suffit d'aller tout le temps à droite et c'est bon. Donc il y a une certaine logique dans le truc, heureusement. Putain, j'y crois pas, je dois faire. Je me demande si je vais pas couper là, quand même. Parce que ça me disait de vous faire. Ouais. Je vais couper. Ok. Oui, je vais couper. Qu'est-ce que je fous, je me gourde. Je me gourde de tout, je bordel avec eux. Non. Non, non. Mais non. Voilà. Salut, désolé, je fais un bug de l'émulateur, donc comme ça vous avez la preuve que des fois avec la carte ça bug, hein, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. Donc voilà, donc on va reprendre. J'ai pas voulu vous faire subir tous les trucs que j'ai refait, hein, parce que ouais, je me suis tout retapé. Donc là je manque beaucoup de vie là. Et ça fera chier que je la perde parce que en fait j'ai une potion et je tiens pas à la perdre quoi. Donc la boussole en fait. Je présume que c'est le seul coffre que j'ai pas pris. Bon, je crois que c'est foutu. D'accord. Bon bah. La boussole que j'ai pas prise, c'est le seul. Thank you.
En fait, faut faire gaffe quand il saute. Et voilà. Vous voyez, c'est simple. Bon, allez, je vais faire récupérer la boussole pour vous faire plaisir. Bon, j'ai aucune idée d'où elle peut se trouver. Peut-être là. Je sais pas moi là. Non. Ouais, c'est un peu merdique hein, comme truc. Ouais. Ouais, génial. Je fais que de la merde. Putain, mais il est où ce truc, sérieux? Ah oui, je sais. Non, merde. C'est pas là. Là, là. Bon, c'est là. Voilà. Une heure et demie. Les deux. Là, c'est vraiment des gros connards. Quoi. Bon, bah, la boussole, on s'en fout. Hein. Attends, mais est-ce que je l'ai vraiment pas? Ouais. Bon, je vais pas essayer de regarder sur le plan parce que. Bon, j'ai loupé des salles, mais on s'en fout. L'important, c'est l'essence. Et je l'ai. Donc, voilà. Et je vais devoir faire du montage là parce que vous le voyez pas. Et je me suis loupé avec l'émulateur. Et je me suis fait spammer comme un taré en plus. Donc voilà, il a pas fait de rêve, mais c'est tout con. Vous allez voir comment ça se passe. Bah voilà, c'est le seul endroit où on n'est pas allé. C'est logique. Donc avant tout, avant de vous quitter, je vais faire un petit truc. Putain, mon antivirus qui me spamme, j'ai jamais vu ça quoi. Donc ouais, je vais faire un petit truc. Je récupère un quart de cœur, donc on va. Vous avez vu la puissance de l'anneau rouge, quoi. Donc le boss, je vous jure que je me fais poutrer d'habitude avec anneau rouge plus épée 2. Tranquille, quoi. En fait, le truc, c'est d'éviter. De... Enfin, quand il saute, faut bien sauter pour pas être assommé. Parce que si on est assommé, c'est mort. Il nous fonce dessus, il nous enlève deux cœurs. Il arrête pas, il arrête pas, il enchaîne. Donc voilà. Si on l'esquive bien, ça va quoi. Ce qui est un peu dégueulasse avec ce boss, c'est qu'il n'y a pas de. En général, il y a des fées avant pour soigner, mais là non. Enfin bon. Donc voilà, je mets l'automne. Ok. Je me trompe pas, il y avait une tombe qui avait un truc. Ah oui, je crois qu'il y a un secret ici, attendez. Oui, voilà, vous voyez le fantôme là, celui qui était là avant qu'on touche les tombes. Faut le repérer, vous allez voir, c'est trop bien. Voilà, je l'ai en ligne de mire là, c'est celui qui est là. Et voilà, on tue celui qui avait à la base et ça tue tous les autres. Et quand on manque d'objets, c'est énorme. Quoi. Donc, voilà. Ils sont de drôles de couleurs, mais on est dans un cimetière, hein, c'est normal. Et hop. Encore un quart de cœur, plus que 3. Bon, ben voilà.